Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, je voulais vous donner mes conseils concernant la prochaine mise à jour 1.3 sur le jeu. Cette mise à jour introduira notamment un système tout simplement où on pourra choisir son personnage 4 étoiles offert de Liyue. Donc on a Xiangling, on a Chongyun, on a Xingqiu, vraiment d'excellents persos. Et je voulais vous donner un maximum d'informations sur ceci pour que vous puissiez faire votre choix dans les meilleures conditions. Le but de cette vidéo, ça sera pas de faire une review complète de tous les persos, ça prendra énormément de temps. C'est vraiment de synthétiser un maximum sur les choses importantes. Notamment, la première chose à dire, qui est la plus importante pour moi, c'est ne prenez pas de doublons sur les persos pour les constellations si vous n'avez pas tous les persos disponibles. C'est-à-dire, si vous en manque un, n'allez pas chercher la première constellation d'un perso que vous jouez, sauf si vraiment c'est super important. Je vous invite un maximum à aller chercher les persos que vous n'avez pas, parce que comme vous le savez, même les 4 étoiles sur le jeu sont rares. 5,5% de taux drop, c'est vraiment pas énorme. Et en plus de ça, vous voyez que durant les bannières, ils changent beaucoup, on commence à en avoir pas mal, et vont pas forcément revenir avant un long moment. Du coup, on a sorti le petit peignoir pour parler de tout ça. Et n'oubliez pas, comme d'hab, le pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. On est parti. Donc, on se retrouve sur le Shin Genshin Impact FR. Pourquoi? Parce que c'est très synthétique et ça va être beaucoup plus simple pour cette vidéo. Le menu du jeu, pour moi, est beaucoup moins synthétique et ça va être beaucoup plus simple de vous présenter les persos juste ici. En plus, on a des petites animations sur le côté, c'est vraiment très bien fait. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site. Vraiment du très très bon taf. Alors, au niveau des coups de lance, ça va être comme n'importe quel lancier. On va avoir des coups de lance continu jusqu'à 6 coups. Rien de dire de plus à ce niveau-là. Le skill qui va être très important, ça va être le Gooba. Donc, Xiangling est un perso de type Pyro 4 étoiles qui va manier une lance. Son Gooba est vraiment sa compétence la plus puissante pour moi. Ça va être un ourson qui va se déposer sur le terrain et qui va cracher un jet de flamme. Vous allez voir que ce Gooba va être très puissant parce qu'en plus de ça, il est boosté par énormément de passifs et de constellations. On va avoir un ultimate qui va permettre tout simplement d'avoir une roue feu, une roue de feu qui va tourner autour de nous, qui va infliger des dégâts pyro bien sûr, faire proc toutes les réactions. Et si vous changez de personnage, il faut savoir que cette roue reste active. De même pour Gooba, vous pouvez les laisser sur le terrain et changer de personnage, ce qui en fait un excellent support parce que vous allez pouvoir DPS un maximum sans qu'elle soit sur le terrain. Au niveau du passif, donc le premier, ça va augmenter la portée des jets de feu de son ourson Gooba de 20%. Ça, c'est excellent. Son deuxième, ça va être tout simplement à la fin de celui-ci. Quand il va se terminer, eh ben, il va laisser un piment. Si vous récupérez ce piment, ça va augmenter de 10% votre attaque. Le troisième n'est pas intéressant. Le but, ça va être de synthétiser un maximum. Hein. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à mettre pause pour lire en détail le skill. Donc la première constellation va être très bien. Dans le cas où vous avez déjà tous les persos et que vous misez les constellations, n'hésitez pas à regarder la première et la deuxième. Les autres, je pense que peu de gens ont tous les 4 étoiles full constellation. Sinon, je pense que clairement le choix devient plus compliqué. Mais on va surtout s'attarder sur les deux premières sur chaque perso. Donc la première est excellente, elle baisse de 15% la résistance pyro alors que Gooba lance son jet de flamme. Pour un Diluc par exemple derrière ou une petite clé, ça va être juste super fort. La baisse de résistance, c'est une des caractéristiques les plus fortes du jeu parce que ça rend en fait tout simplement les 15% de résistance en moins, ça va être 15% de dégâts purs de gagner. Donc a priori, vraiment incroyable. Et au deuxième, ça va être plutôt niveau du DPS. Donc si vous l'utilisez en DPS principal, moins en support parce qu'il faudra mettre des coups de lance, elle va tout simplement, au bout d'un moment, lâcher une implosion qui va faire des dégâts pyro de zone équivalent à 75% de l'attaque. On va passer tout simplement à la petite Signan. Donc Signan perçoit encore une fois pyro avec une épée à deux mains cette fois. Donc comme vous voyez ici, on a la petite animation d'attaque. Signan, ce qui va être très intéressant dessus, c'est qu'on va avoir un bouclier. Ce bouclier va dépendre de la défense et aussi du nombre d'adversaires autour de nous. On va voir que ce bouclier en plus est boosté par le passif comme beaucoup de persos 4 étoiles. On va avoir un ultimate qui va permettre tout simplement de repousser les adversaires, d'infliger des dégâts physiques à l'impact et des dégâts feu en continu. Donc ça c'est assez cool. Vous avez tout le détail encore une fois juste ici. Pour ce qui est des passifs, on va voir le premier qui va réduire le nombre d'ennemis à toucher avec l'ultimate, avec le bouclier pardon, pour faire proc les stats suivants. Donc comme je vous l'ai dit, son bouclier va également dépendre du nombre d'adversaires autour de vous. Et ici ça réduit de 1, du coup on va pouvoir proc beaucoup plus facilement un bouclier puissant. Au niveau du deuxième passif, ça va être les dégâts physiques de la personne protégée par le bouclier de Signan vont être augmentés à hauteur de 15%. Ça c'est incroyable, ça marche aussi sur le perso. Et comme je vous l'ai dit, il y a des dégâts physiques sur l'ultimate, donc ça augmente également les dégâts de l'ultimate, ce qui peut en faire un excellent support.
Et donc le troisième passif qui va être pour la bouffe, qui va pas nous intéresser des masses. Au niveau des constellations, on va avoir la première qui va être très intéressante. La vitesse des attaques normales et chargées de Sinian augmente de 12% pendant 5 secondes lorsque Sinian inflige un coup critique. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 secondes. Donc ça c'est excellent et il se complète avec le passif d'après. Le taux de crit des dégâts physiques de Rift Rebelle augmente de 100%, un bouclier niveau 3 et de plus général activation. Lorsque vous allez mettre votre ultimate en fait et que vous êtes constellation 2, il va obligatoirement critique. Et en plus derrière vous allez directement gagner le bouclier le plus puissant qu'il y ait 1, 2 ou 3 personnages autour de vous. Donc ça c'est vraiment goldé pour le coup. Et en plus de ça on profite du premier passif qui augmente de 12% pendant 5 secondes la vitesse d'attaque. Sachant qu'on va critique. Donc Xiongyun ça va être le perso cryo ici avec une épée à deux mains. Alors tous ces persos là peuvent être utilisés autant en DPS principal qu'en DPS secondaire. Pour Sinian, petite chose, comme vous le voyez son bouclier stack en fonction de la défense. N'hésitez pas à lui mettre des substats de défense vraiment parce que ça va grandement améliorer le personnage. Beaucoup pour moi mettre de côté cette tendance que beaucoup de persos ont à avoir des boucliers en ce moment. On a Sinian qui est sorti il y a pas longtemps, qu'on a un Zhongli aussi. On a aussi par exemple Jonah. Mais clairement les boucliers vont être de plus en plus intéressants sur le jeu. Donc faites très attention, surtout avec les nouveaux persos qui arrivent, qui perdent des PV, par exemple avec l'ultimate de Xiao. Et clairement ne négligez pas ça. Donc Xiongyun, perso épée à deux mains cryo, qui va mettre, voilà, on a la petite animation de coup d'épée. Son premier skill va être très intéressant. Il va tout simplement lâcher une zone de glace dans laquelle toutes les attaques normales, donc d'ast, que ça soit les attaques au corps à corps, épée à deux mains, épée à une main, ou encore avec une lance, vont être transformées en dégâts cryo. Donc ça, c'est assez fou, mais ça peut être aussi assez compliqué. Je vous prends un exemple, parce que si vous utilisez Kuching, donc qui va avoir un boost par exemple de dégâts électro sur sa panoplie, si vous jouez la panoplie Dompteur du Tonnerre, derrière, vous allez les perdre si vous tapez Cryo. Donc c'est pas très intéressant, il faut faire attention avec qui vous jouez, mais clairement ça peut être autant une arme extrêmement forte que ça peut vous baisser vos dégâts si vous l'utilisez mal. En plus, vous allez voir que cette zone-là va augmenter la vitesse d'attaque, ce qui est assez fou. Au niveau du burst, donc de l'ultimate, on va avoir un ultimate qui est très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a que 12 secondes de temps de recharge, il n'use que 40 d'énergie, ce qui est très peu. Et il fait énormément de dégâts, en plus il est boosté par les constellations, comme on va le voir par la suite. Donc au niveau des passifs, je rappelle, hein, ces passifs-là, c'est ceux qui se débloquent gratuitement en fonction de votre niveau d'élévation de personnage. Level 70, vous avez tout débloqué. Donc le premier, dans le champ de l'âme de l'esprit, givre superposé, les vitesses d'attaque normales des persos donc concernés, comme je vous l'ai dit plus tôt, épée à une main, deux mains et lance, vont augmenter tout simplement de 8%. Ce qui est assez fort, clairement, une zone qui augmente autant la vitesse d'attaque, c'est vraiment goldé. La deuxième, ça va être une lame apparaît à la fin du champ lame de l'esprit, givre superposé, et lorsque ça disparaît, ça inflige des dégâts cryo de zone équivalent à 100% des dégâts de lame de l'esprit. Donc ça, ça va plutôt être quand vous allez l'utiliser en tant que DPS principal. C'est vrai qu'en support, on va pas mettre énormément de coups d'épée à voir à ce niveau-là, mais ce qui va être très intéressant, c'est que la reste cryo des ennemis touchés elle va être réduite de 10% pendant 8 secondes. Ça peut être très bien avec un autre perso cryo. Après, on a eu Ganyu il y a pas longtemps. Donc ça peut baisser la résistance de manière assez sympa. Au niveau du prochain 4 étoiles, ça va être Ningguang. Alors Ningguang, très très forte. Donc personnage géo. Vous voyez, on a déjà plusieurs types de personnages. On va en avoir un pour chaque élément sauf Anemo. A savoir aussi que le choix de votre 4 étoiles va dépendre aussi de votre team. Si vous avez une résonance élémentaire intéressante à avoir, par exemple double pyro qui va vous donner 25% d'attaque, ou double cryo qui va pouvoir augmenter de 15% votre taux de critique sous un ennemi qui est sous l'effet cryo, ou encore électro qui va augmenter tout simplement votre recharge d'énergie, à voir ce que vous voulez faire, mais c'est très intéressant de regarder l'élément si vous en manquez un pour pouvoir ajouter un perso qui correspond à celui-ci afin de profiter du bonus de résonance un maximum. Donc on va avoir une petite particularité Ningguang, c'est que ça va être un mage, donc en plus de ça, elle va tout simplement fonctionner avec des stacks. Donc elle va avoir des étoiles de jade à chaque fois qu'elle va taper un adversaire. Ces étoiles de jade là, en fait, elles vont servir à quoi? Augmenter les dégâts sur son coup chargé, donc plus vous en avez, plus elle va le faire de dégâts. Et Ningguang, elle va avoir un spell qui va être donc un paravent qui va s'installer sur le terrain. Ce paravent, il va bloquer les attaques ennemies et va infliger des dégâts géo de zone lorsqu'il va apparaître. Donc ça, c'est assez ouf.
Il va en plus de ça compter comme construction géo, donc ça entre en résonance avec par exemple Zhongli. Et vous allez voir par la suite qu'on peut le faire spawn assez souvent. Ça peut vraiment gêner la ligne de vue des adversaires. Et bien utilisé, c'est vraiment très fort. Donc l'ultimate qui va tout simplement être un ultimate incroyablement fort, qui va balancer énormément de dégâts. Donc envoie des projectiles autoguidés qui infligent des dégâts géo considérables. Si éclatement des étoiles est utilisé à proximité de l'écran de Jade, donc le paravent, l'écran de Jade enverra des projectiles aussi. Donc vraiment extrêmement fort avec un temps de recharge très bas. Donc si vous allez l'utiliser en tant que support, ce que je conseille pas, moi je la verrais plutôt en main DPS, mais vous pouvez totalement l'utiliser en DPS support. C'est vraiment le sort qui va faire énormément de dégâts pour le coup. On va passer au passif du coup. L'attaque chargée de Ningguang ne consomme pas d'endurance si elle possède des étoiles de Jade. Donc ça c'est très fort. Son attaque chargée va tout simplement lancer des projectiles en ligne droite. Son deuxième passif, les alliés qui passent à travers l'écran de Jade gagnent un bonus de dégâts géo de 12% pendant 10 secondes. Donc ça c'est assez ouf hein, pour l'ultimate de Zhongli, pour Ningguang elle-même. 12% de dégâts sur un élément, c'est vraiment ouf. C'est la stat la plus forte du jeu tout simplement. Et donc le troisième passif qui va tout simplement vous permettre d'afficher la localisation. Quand vous passez à côté des minerais, bah, ça va vous la mettre sur la mini-carte, donc c'est assez cool. Au niveau des constellations, la première va être extrêmement forte. Quand une attaque normale touche, ça inflige des dégâts de zone. Donc à chaque fois que vous allez infliger des dégâts à un adversaire avec Ningguang, elle va infliger des dégâts de zone. Et ça, c'est assez ouf sur des attaques normales. La deuxième, ça va être le temps de recharge du paravent, il va être récupéré dès qu'il va être brisé. Donc ça, c'est assez ouf, sachant que vous pouvez activer ce passif-là toutes les 6 secondes. Et que le paravent, quand même, il dure énormément de temps, là. Il est tout simplement il scale avec vos PV sur Ningguang, mais même sans la montée PV, il va être assez résistant, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez perma normalement par avant avec ces constellations, ce qui est franchement extrêmement fort. On va passer sur Xingqiu. Xingqiu, excellent perso. Première caractéristique, pourquoi je vous le recommande, c'est parce que si vous ne l'avez pas, il permet d'économiser de la résine, notamment sur les matériaux d'élévation d'aptitude. Donc il vous fait économiser des livres. Rien que pour ça, vous devriez le prendre si vous ne l'avez pas. En plus de ça, donc Chip Hydro. Épée à une main, il n'y a pas énormément de type hydro sur le jeu. D'ailleurs, je crois que c'est le seul au corps à corps pour le moment avec une épée à une main. On va avoir Tartalia qui est un 5 étoiles mais qui est avec un arc. Et on va voir aussi Mona qui est donc tout simplement un mage. Donc clairement, ça va être le seul personnage pour le moment au corps à corps hydro. Donc Xingqiu, pourquoi il est très intéressant? C'est parce que ça va être un support de qualité. Premièrement, il va vous faire, avec sa compétence de base que vous voyez juste ici, pop autour de vous des épées d'eau. Donc ces épées d'eau vont infliger des dégâts hydro à chaque coup que vous allez mettre. Si vous changez de personnage, elles restent présentes. Et en plus de ça, elles vont réduire les dégâts reçus. Et dès que vous recevez des dégâts, il y en a une qui va exploser et elles vont réduire grandement les dégâts reçus. Donc ça, c'est assez ouf. L'ultimate va servir tout simplement à pouvoir taper en continu sur ces épées d'eau. Donc au lieu qu'elles éclatent à chaque fois que vous prenez un coup, et là elles ne vont pas éclater, ça veut dire que vous allez avoir énormément de réduction de dégâts, ce qui va être assez ouf et vous allez taper extrêmement fort. Au niveau des passifs, donc là on va avoir la première qui va servir de heal d'appoint. Donc lorsque une épée de pluie est brisée et qu'elle expire, le personnage actuel récupère une quantité de PV équivalent à 6% des PV max de Xingqiu. Donc comme vous le voyez, on en a 3, on peut récupérer jusqu'à 18%, sachant qu'une constellation en rajoute une en plus, donc ce qui fait 24%. Ce qui est vraiment assez cool pour duel d'impôt. Le deuxième, Xingqiu gagne un bonus de 20% de dégâts hétéro. Excellent, ça c'est excellent. Juste excellent, rien à dire de plus. Et le troisième, c'est vous avez 20% de chance de récupérer des matériaux de synthèse lors de la synthèse des matériaux d'aptitude. Ce que je vous évoquais plus tôt. Au niveau des constellations, la première va servir à augmenter le nombre d'épées maximum que je vous ai montré tout à l'heure. Au lieu d'en avoir 3, vous allez en avoir 4. Et le deuxième, ça va prolonger la durée de l'ultimate de 3 secondes. Et la résistance des hydros des ennemis du coup touchés par l'ultimate va être réduite de 15%. Il faut savoir également que les épées appliquent l'élément hydro, même lorsque vous êtes au corps à corps de l'adversaire sans attaquer. Ça, c'est une chose qui est assez appréciable. Et on va passer maintenant à la dernière, qui est tout simplement Beidou. Beidou, épée à deux mains, 4 étoiles, donc électro. Beidou va avoir quelque chose que peu de persos ont dans le jeu, c'est-à-dire qu'elle va avoir un contre. Donc, vous le considérez comme vous voulez, il parle de bouclier ici, mais pour moi ça va être un contre, pourquoi? Parce qu'il faudra maintenir en fait, tout simplement, lorsque vous maintenez le skill principal, donc la compétence, elle va se mettre en position de contre, donc elle va prendre des dégâts, et dès que vous allez relâcher celui-ci, elle va tout simplement les renvoyer. Donc vous allez vous prendre 0 dégâts si vous avez bien augmenté sa compétence. Et lorsque vous allez faire tout simplement un coup qui n'est pas chargé, donc juste la compétence appuyée, ça va infliger des dégâts électro aux ennemis en face.
Et lorsque vous maintenez, donc ces boucliers vont être proportionnels à ces PV max. Donc c'est-à-dire que si vous contrez et que vous avez suffisamment de PV pour bien tanker tous les coups de l'adversaire, vous allez faire des contres à facilement 40 000 de dégâts, 50 000, ce qui est vraiment très très haut. Je pense qu'il y a des personnes qui sont montées beaucoup plus haut même par la suite. Après, le truc, c'est que si vous voulez l'utiliser en tant que support, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un excellent timing. Il va falloir mettre Beidou sur le terrain au moment où l'adversaire tape, contrer directement et remettre votre perso. Donc ça demande un peu de skill, mais le perso est vraiment excellent à ce niveau-là. Donc les PV du bouclier, comme vous voyez, c'est 14,4% des PV max plus un nombre de PV flat. Donc au niveau de ça, c'est assez cool. En plus de ça, lorsque Beidou a contre-attaque et qu'elle a son bouclier actif, ça va augmenter tout simplement ses dégâts électro. Au niveau de l'ultimate, ça va être tout simplement un proc qui va venir faire apparaître autour de vous des sortes de petits esprits électro qui vont tournoyer. Donc ça va infliger des dégâts et en plus de ça, lorsque vous allez débloquer des constellations, elle va gagner un bouclier. Donc crée un bouclier du tonnerre qui permet aux attaques de libérer une décharge qui se propage et qui inflige des dégâts électro. La compétence passive, ça va être contre-attaquer avec invocation démarrée, donc le contre. Au moment où Beidou se fait toucher, accorde le bonus de dégâts maximum. Donc là, à la base, en fait, lorsque vous prenez des dégâts, il y avait un nombre minimum d'attaques à se prendre qui était de 2 ou 3. Là, dès le premier coup, donc si vous prenez un gros coup de boss, vous allez pouvoir contrer niveau maximum, là où avant tu étais limité si tu prenais pas 2 ou 3 coups. Le deuxième, ça va être que l'invocation démarrée confère pendant 10 secondes les effets suivants lorsqu'elle est exécutée, avec le maximum de dégâts. Donc lorsque vous avez le contre avec le maximum de dégâts reçus, vous allez recevoir 15% de dégâts supplémentaires sur les attaques normales et chargées. Et les attaques chargées vont se charger beaucoup plus vite. Après, les attaques chargées sur un perso avec une épée à deux mains, c'est pas incroyable pour le coup. Le troisième passif, ça va réduire la consommation d'endurance de tous les personnages de l'équipe de 20% lorsque vous êtes en train de nager. On va passer maintenant aux constellations. Donc la première, l'activation de brisure d'orage confère les effets suivants. Génère un bouclier qui absorbe une quantité de dégâts équivalent à 16% des PV max et dure 15 secondes. Ce bouclier peut absorber jusqu'à 250% de dégâts électro. Je rappelle, brisure d'orage, ça va être tout simplement l'ultimate qui est juste ici. Donc, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va faire spawn un bouclier qui est quand même pas mal. Hein, 16% des PV max pendant 15 secondes. C'est assez appréciable, sachant que le perso scale aussi le renvoi avec les PV. La deuxième, ça va être les décharges de brisure d'orage se propagent à deux ennemis supplémentaires. Donc, de la même façon, l'ultimate, lorsque vous voyez les choses tournoyer autour, ça va avoir un impact donc accru sur les adversaires, qui va pouvoir toucher deux persos en plus, ce qui est assez cool. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tous les persos. Je vous ai donné pas mal d'infos à ce niveau-là. Faire une review précise de chaque perso, je pense pas que ça soit non plus la chose la plus cohérente ici, hein, parce que ça va être un 4 étoiles qu'on va choisir, et je pense que passer des heures juste pour parler d'un perso, ce n'est pas le sujet. Vous allez pouvoir vous décider rien qu'à l'arme, à l'élément, à la résonance comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et à tout ce qui est du coup les réactions élémentaires que le perso va provoquer chez vous. Si vous avez déjà tous les persos, visez plutôt les premières constellations ou les deuxièmes, clairement. Si vous avez déjà les premières et les deuxièmes constellations, bah faites-vous plaisir, écoutez. Si vous manquez un perso, je vous le rappelle, n'hésitez pas à le prendre, vraiment, les 4 étoiles, c'est vraiment extrêmement fort dans ce jeu-là. Et je pense qu'on a fait un peu le tour dans cette vidéo de tout ça. Donc, normalement, ça devrait arriver sur la mise à jour 1.3. D'ailleurs, je vous mettrai ici tout le détail, là. Hop, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si vous voulez avoir les dates précises, etc., n'hésitez pas à aller check ça. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vais aller retourner travailler avec le petit peignoir en télétravail. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Le petit like et l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. La cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, ce soir sur Twitch, 19h30, comme d'hab. Portez-vous bien, beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao, à la prochaine.